Ça fait un petit moment que j'avais pas repris le démontage de mon moteur, j'étais occupé sur autre chose. Comme tu as vu, hein, j'ai mis 2-3 vidéos en plus, donc j'ai pas le temps de m'occuper tout le temps de la même chose. Et j'ai enlevé le volant magnétique l'autre jour, mais on dirait qu'il s'est remis. Donc je remets mon volant, ça là, l'arrache. C'est écrit M19 par 1.0. Donc c'est la dimension du filetage et du diamètre. Oh, putain, c'est... Ouais. Ouais, c'est rebloqué. J'ai pas besoin de mettre de bloc piston, tout le vibroquin meurt. Voilà. L'arrache, c'est bon, je vais le remettre en boîte. Il y a ça qui existe. Donc au lieu d'acheter un arrache volant par-ci par-là, bah, j'ai carrément pris le coffret et comme j'ai plusieurs bécanes, bah, je préfère utiliser plusieurs modèles que les acheter au compte-gouttes. Carbu de 15, c'est ça, ça inquiète. Non, je sais pas si tu vois, c'est un 14-12, c'est même pas un carbu de 15. Mais pourtant le mec il a mis une B9 HS pour la performance alors que le carbu est tout petit. Une clé de 11. Je pense pas. 10. L'image. L'image. Il est tout rouillé. Thank you.
La dernière vis et c'est encore plein d'humidité. Ça, c'est un moteur qui a dû être trouvé dans l'eau avec la pêche à l'aimant. Le mec, il a récupéré, après il a revendu son moteur. Donc moi, je lui ai racheté le moteur, mais je me doutais qu'il était pas terrible, mais bon. Qui me l'a vendu avec la boîte à kick et tout l'ensemble, moi ça me permet de refaire un moteur de zéro, donc j'ai déjà acheté tous les joints et donc je garderai juste carter, la platine pour le démarrage à kick, piston à mon avis c'est rincé, les tiges, la culasse, je verrai bien. Là tu vois, je m'en vais. Sans aucune importance, hein. C'est pas des pièces que je vais récupérer. Ah, ils sont pas mal. Normalement, quand ça reste longtemps dans l'eau, t'as tout l'aluminium qui s'oxyde et après ça te fait un trou et les clapets sont morts, mais là ils sont pas mal. Tu vois, je pourrais même réutiliser le joint. Non, quand même pas. Et là il me reste démonter les carters, la platine. Là, tu vois, il y a des rondelles ici. Ici, j'en ai pas. Là, j'ai enlevé. Ici, j'ai pas de rondelles. Ici, j'ai pas de rondelles. J'avais qu'une rondelle ici. Thank you.
dernière vis. Tout l'ensemble est démonté, un clips à enlever ici, je le chauffe, je sépare et après nettoyage et remontage.